reportée d'une semaine pour cause de mauvais temps, la journée citoyenne de Florac Parisienne s'est déroulée le dimanche 10 avril sous un beau ciel bleu. Allez, je vous emmène sur les différents chantiers. Alors Bernard, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, dans la carte de la journée citoyenne, on a identifié deux petites bricoles qu'on pouvait faire facilement. Et puis on a commencé par cette belle rambarde, donc les employés communaux ont commencé à la bricoler, on l'a un petit peu redressée, il y aura encore du travail. Hein. Là-bas, il y a une équipe qui s'affaire à la peindre, à la remettre en couleur. Blanche. Voilà, blanche. Moi, je prépare le chantier. C'est un endroit de promenade privilégié, comme ailleurs. Hein. Oui. Voilà, et donc, bienvenue à ceux qui aux amours de bonne volonté. On a eu la chance d'avoir une pitchounette là-bas. Hein. Bonjour, alors comment tu t'appelles ? Je m'appelle Manuela. Et qu'est-ce que tu fais de beau pour la journée citoyenne ? On peint les barrières. Monsieur le maire, comment se passe cette journée citoyenne ? Écoutez, alors on a la chance d'avoir un temps magnifique, ce qui n'était pas le cas dimanche dernier. C'est sûr. Hein, cette journée, alors moi je tiens surtout à souligner le travail de préparation qu'a fait Émeric. Émeric Hébrard a vraiment bien bossé, avait préparé ses chantiers. Il y a six chantiers qui se sont réalisés sur le territoire. Il n'y a pas... très grande foule, mais c'est bien dans le chiffre qu'on pensait. Il y a une quarantaine de personnes qui sont rassemblées, ce qui est déjà pas si mal. Bonjour Roland, expliquez-nous le chantier qui s'est fait ici ce matin. Voilà, alors j'étais chargé en tant qu'habitant des Grèzes, j'étais chargé donc de mener ce chantier qui correspondait donc à la rénovation de ce petit terrain de foot, peindre les barres, nettoyer les abords, faire un arrêt pour les vélos. Un emplacement pour les vélos. Et voilà, grosso modo, ce que nous devions faire ce matin. Nous n'avons pas, à l'heure actuelle encore, on ne nous a pas amené donc les attaches pour mettre les filets. Mais de toute façon, il faut attendre que la peinture soit sèche. Mais d'ici la fin de la journée, j'espère bien qu'on aura fini. Maintenant, on va passer à l'apéro. Bonjour Dominique, alors quel est l'objectif de ce chantier ici à Azinières ? Alors les objectifs étaient multiples. Le premier c'était de mettre en place les barres de foot pour que les enfants puissent venir shooter au ballon. Le deuxième était de restaurer les escaliers, alors il y a 5 marches ici, mais surtout un gros escalier là-bas au fond de ce terrain. Le restaurer parce qu'en fait c'était des rondins et puis un creux et puis un rondin, un creux, donc c'était assez... périlleux de monter ou descendre. Enfin, de sécuriser ces deux endroits par des rambardes, donc c'est ce qui a été fait. Ensuite, on a monté une table de pique-nique. Elle est arrivée en kit, on l'a montée. Et on a fait quelques semis de plantes vivaces au fond, sur le talus. Voilà.